travaille sur la métamorphose. Qu'est-ce que sont capables de faire ces objets? Quel potentiel créatif ont-ils? Et donc, dans ce livre, je présente une série de jeux que j'ai mis en scène dans mon atelier, chapitre par chapitre, jeu par jeu, un petit peu à la Pérec, donc avec des règles du jeu. Et je vais jusqu'au bout de ces possibles à chaque fois que je photographie et que j'installe dans mon studio. Donc ces objets, bien sûr, n'ont plus aucune fonctionnalité en lien avec la cuisine et deviennent des supports de jeu, des supports de création, des supports de rêverie et d'imaginaire pour les enfants. De suite, je me suis rendu compte du potentiel esthétique de ces objets en plastique. C'est-à-dire que c'est très très étonnant. Ce sont des petits objets qui ont l'air de rien, comme ça. Et à partir du moment où on les installe, où on les éclaire, ils sont totalement métamorphosés. La matière plastique a des brillances. Aujourd'hui, la fabrication du plastique permet d'avoir des plastiques ajourés, des plastiques rainurés, des choses incroyables. Et ce sont des petits objets extrêmement légers, donc que les enfants peuvent manipuler aisément. Il y a une dimension ludique.